sceller comment? On va sceller le disjoncteur. Oui. Voilà, il y a une base de données. On scelle, on va en enregistre. Oui, non. Oui. C'est-à-dire, on va sceller. On va sceller la base des données, un élément sur le disjoncteur. On va sceller le disjoncteur. Oui. Ça veut dire, on va sceller l'arrivée du courant, la sortie du courant. Puis, il y a un pôle de réglage. Bon, c'est pas sur tous les disjoncteurs. Oui, bien sûr. Il y a certains. Si, il y a les 5 ampères, 10 ampères, 15 ampères qui sont marqués dessus, vous allez mettre ça dessus. Ah, allô, excuse-moi, je vais finir là tout à l'heure. Si vous avez demandé 5 ampères, on règle 5 ampères. Oui. On scelle. Bien sûr, c'est normal. Ça vous permet également de savoir quelle est la quantité de courant qui est mise à notre disposition. Moi, je suis d'accord. C'est le fait que nous allions mettre ça dans la niche là-bas. C'est ça qui est mon problème. Maintenant. Est-ce que qui est responsable du vol au niveau de la niche? Parce que déjà, ça fait deux fois on nous vole les disjoncteurs. Aujourd'hui, vous nous reproposez d'aller mettre là-bas. Si vous pouvez sceller où ça y est, il n'y a pas de discussion. On est d'accord pour votre principe de fonctionnement. Sinon, on a fait deux partout. Oui, je sais, je comprends ce que j'ai dit. Maintenant, c'est le fait que vous voulez qu'on aille mettre ça dans la niche, comme si nous, on vous empêchait d'avoir accès aux disjoncteurs. Les disjoncteurs sont là, vous pouvez venir les vérifier pour voir si on a 5 ou 10 ampères ou bien combien d'ampères qui est marqué là-dessus. Vous venez faire. Maintenant, quand il va avoir encore deux, troisième vol sur nos 17 compteurs ici encore, mais qui va prendre la responsabilité? C'est de ça il s'agit, mon petit. Est-ce que la CIE va nous rembourser? Tu nous proposes tout à l'heure de faire quoi? S'il y a vol. Moi, je pense que ce que je vous propose là, n'est pas qu'on vole, parce que je ne souhaite même pas qu'on vole. Oui, ouais, le vol, c'est une erreur à la vie. Vous renforcez votre niche. Renforcer pour faire quoi? Comme un bunker? Non, vous renforcez. Vous mettez, comme ça, vous payez des cadenas. Mais nous, on avait des gros cadenas ici. Les gens utilisaient ce qu'on appelle de l'acide pour détruire les cadenas. Le voleur, il est encore plus professionnel que nous, quel que soit le type de cadenas qu'on utilise. Non, moi, je veux une responsabilité de la CIE qui nous dise qu'en allant remettre à la niche là-bas, dehors là, s'il y a vol, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a pas de. Qu'on n'est même pas. On ne nous parle même plus de disjoncteur, qu'on nous fournisse le courant, en protégeant nos installations aussi. Est-ce que je voulais savoir? Ok. Les factures sont à votre disposition.